c'est la suite de la campagne de Shadowenfell du Mal, et nous sommes maintenant avec une autre armée composée de deux nouveaux héros, donc Sharku et Wolfgang, le chef des âmes sauvages du pays de Dain. Et c'est parti, nous allons reprendre les bordures de la Fangorn. C'est avancé de Fangorn. Wolfgang, qui a le skin de Ragnar Lodbrok dans, dans la série Viking, je sais. Ouais, Urukai. Donc nous avons Wolfgar. Wolfgar qui a une compétence, un méga impact. Alors, on peut le mettre sur sa monture. Ce qu'on va faire, hein, justement. Niveau ressources, bah, on va faire des abattoirs ou on va réduire les améliorations. Les améliorations, c'est pas mal. Sinon, on a Sharku. Ce qui est bien, c'est qu'on a une unité au cac, une unité à distance. En vrai, je vais peut-être le laisser à pied. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller check ce qui se passe sur les cartes. Ah, mais je connais cette map en plus. Je sais exactement qu'est-ce qu'il y a où. Bon, déjà, il y a des gobelins, donc c'est parfait. Là, il y a un petit campement qu'on peut prendre. Oh, il y a des elfes. Des elfes camouflés. Bah alors, vous êtes perdus ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font, les elfes? Ok, ici, j'ai pris l'antre, donc ça, c'est bien. Mais en fait, ils sont juste venus puter mes wargs qui sont à l'opposé, quoi. Ça n'a aucun sens. Mais attends, mais ils vont pas mourir, mes wargs, c'est pas possible. Mais non, mais c'est une blague. Non! Mais what the fuck? C'est quoi ces elfes immortels? Mourir, là! Pas possible, ça! Oh, les wargs se sont fait défoncer. Bah écoutez, oh, on va faire ça. Du coup, on va faire. Ah, oh, j'ai envie de refaire des wargs. J'ai envie de faire une armée pas composée de Urukai, toi. C'est l'armée non Urukai ici. On va aller prendre le campement par là-bas, je pense. C'est mieux. Plus intéressant. Ah! Watcha, watcha, watcha! What, les non-dégâts? C'est abusé. Ça va. C'est tout? Mais... C'est quoi? C'est cavalier invincible. Je vais pas perdre quand même. Il va mourir aussi, lui. Mais c'est quoi ça? C'est abusé. Bon, bah, autant prendre les ressources, hein. Bah, ça va, genre, what the fuck, genre, jamais dans l'abus. Pourquoi à chaque fois les unités, j'aurais pu la merde? Je peux rien faire, c'est ça? C'est ce que t'es en train de me dire? C'est abusé quand même. C'est bon? Avec les tours, ça va, ça, c'est pas mal là. Allez, les wargs avec champ de guerre. Hein. Faire le café, non? Faut voir l'équilibrage, non? C'est quoi ce bordel, genre? Bah écoutez, on va faire full tour hein, jusqu'à que ça passe. Hein. Je pense qu'il faut que je passe des piquets, du coup. Hein. Bah, les hommes sauvages du pays de Dain, j'aimerais bien les faire, mais pour l'instant, pas ouf. Hein. Ah, ils sont insupportables. Ça va? C'est bon? Je peux jouer?
Mais moi ça me rend fou, c'est les héros qui font zéro dégâts quoi, mais what the fuck, genre, what the fuck. Ils m'ont sorti, c'est des paysans, c'est pas possible. Truc de fou. Déjà les wargs ça pue, donc on va pas en faire. Ça on va en faire un. Pour l'instant on va faire full... Bon déjà on peut refaire des piquets, donc ça c'est cool. Wow. MDR, faut faire vite des piquets. Les Dulundin tout seuls, ils vont pas faire grand chose. Mais moi je pensais que c'était ok toi, c'était ok tiers. Mais en fait c'est ok nul toi. Heureusement que j'ai fait full tour hein. Ils vont mourir avec une seule unité quand même hein. Ah ouais non mais là c'est terrible hein. Terrible cette bataille. Non mais c'est quoi cette nouvelle armée qui arrive là? Tuez celui-là. Allez, butez-les tous là. Bon bah on va se replier hein. Ok. Il va mourir contre des péons. Vraiment, hein. Il va mourir contre des péons. Hein. Pas mourir contre des péons quand même. Enfin, je sais pas. Chercher l'erreur. Eh bah punaise, c'est chaud, hein. C'est chaud, ça meurt. Hein. Ah, mais ils ont pas de piqué. D'accord. Ok. Bah super. Bah ouais, vachement bien. Wouhou! C'est qui m'a dit dans le chat, ouais, fais des piquets, c'est vachement bien les piquets. Ah bah, il n'y a pas de piquets, hein. Comme ça au moins, si tu fais chier, il n'y a pas de piquets. Oh le bordel. Oh là là. Bon, en fait, ça me dérange pas qu'il m'attaque à 36 000, mais le fait que mes héros se fassent one shot alors que quand même je les micro bien, toi, c'est chaud quoi. Ça prouve qu'ils ont quand même aucun intérêt. On va voir si Berserker c'est autre chose. Ouais, bon, il se fait soulever, hein. C'est pas non plus incroyable. Ah, y'a un end. Bah oui, des end. Super. Super. Des end. Oh bah, deux end. Ah oh bah, avec ça. Avec ça, on est bien. Ouais, je sais que c'est des campements ennemis. Je sais d'où ils viennent. Je les vois. Je suis pas aveugle. Charcot il va mourir. C'est sûr. C'est sûr en fait. Bon ça va, ça se passe plutôt bien ici, non? Ah! Dangereux ça. Ah oui, ils font vraiment zéro dégâts. En fait, tant que j'ai pas les améliorations, c'est impossible. Alors, j'ai vu qu'ils massacraient, je crois, ma base en haut, mais je suis pas sûr. Ils sont en train de détruire la tour avec des archers. Il fait quoi lui? Putain, il fait n'importe quoi. Il pourrait se faire même tuer par l'écrasement quoi. Non ça, ça par contre ça me fait super rire tu vois. Les archers ils arrivent quand même à... Il y a 4 archers et ils arrivent à défoncer quoi. Bon déjà on va faire les améliorations aux archers là.
Non, bah non, bah non, bah non. Bon, c'est déjà un peu plus simple là. Celui-là. Charcot, il coûte que 540 en plus. Lui, il reprend pas de vie. Ah oui, parce qu'on continue à se battre en fait. I am Vulgar, le plus nul du monde. Allez mon coco, tu peux le faire. Hammer. Ça fait quand même pas mal mal au bâtiment. Qu'est-ce qu'il fait mon berserker? Mon berserker, je lui ai dit d'attaquer quand même le moulin là, et il se met à attaquer les unités ici. Hein. Vraiment, il a aucun sens de l'honneur. Il n'écoute pas mes ordres en plus. Mais mes archers, je comprends pas, attaquer genre. Quand je fais un clic, c'est pas pour rien. Hein. Peut-être que je refasse une... Tiens, ça fait déjà 15 mois. 15 mois. Incroyable, merci beaucoup, Tekitus, pour le sub. Bon, on va se replier un petit peu. On va aller reprendre les bâtiments. Ah, mais il y a encore les Ents là, mais c'est un délire. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a encore des Ents? Mais c'est quoi cette armée du rond? Le rond est ultra vénère. Hein. Je pense qu'il va me falloir des wargs en fait. Je sais pas. Hein. Ça, c'est une unité ultra puissante. Bon, les Ents, tu sais quoi, je vais les laisser dans leur coin. J'ai même pas envie de les déranger. Allez, allez, hop, hop, hop. Ceux-là, ils sont trop balèzes. Vous allez voir, les dégâts qu'ils font au bâtiment, c'est insane. Come for me. Ils sont là. Allez, je les envoie directement ici. Vous allez voir la puissance qu'ils ont. C'est insane. C'est vrai que là... Est-ce que les gobelins de Gundabad, on les voit dans la campagne? Je crois pas. Enfin, en gros, Gundabad. Ah, mais j'en ai déjà deux. Regardez les dégâts qu'ils font. C'est incroyable. Voilà. Ah, c'est sûr que c'est plus rapide, hein. Beaucoup plus rapide. En formation, phalange. Oh, c'est bien ça. Ah, ça coûte... What? Ah, c'est heavy armor. Oh, pas mal. C'est vrai qu'avec une petite heavy armor, ils vont être... plus résistants, je pense. Mon charcou est quasiment mort, encore une fois. Je peux toujours pas faire de piqué, hein. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Bon, cette unité-là, je vais la refaire. On va y détruire les bâtiments ici. Champ de guerre là pour les terminer le plus rapidement possible. Bon, ce sera bien battu, hein. Quand même assez compliqué, hein. Pas, je sais que la deuxième mission, j'espère que ce sera plus simple quand on aura le Mordor. Hein. Alors, j'ai pas pris la base ici, peut-être que je la prenne. Charcou tué pour la troisième fois. Attends, il est encore mort?
Non, ça va. J'ai peur. Je croyais qu'il était encore mort, ce bougre. Ah, ils sont pas à la base ici? Incroyable, je pensais. Je pensais qu'ils avaient été intelligents, ils avaient pris la base là, mais pas du tout. Ils sont un peu débiles, c'est tout. Donc ils ont plus qu'une base en fait. Ils ont quelques unités, ok. Vous sentez quelque chose? En fait, je fais 3 unités comme ça et c'est bon, je gagne la game. Je ferais bien les améliorations, hein. Peut-être attendre un petit peu, faire les amios. Je gagne un max de thunes là, le plus rapidement possible. Oh, attendez, ce qu'elle touche. F, 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 F. Voilà. On va attendre un tout petit peu, de toute façon, ça va plutôt vite. On va essayer de détruire un maximum de bâtiments. Il reste Folk qui détruit la citadelle après. Je veux améliorer un peu mes troupes. Wow, j'ai failli détruire la citadelle en 3 secondes. En vrai, il faudrait que je prenne ça, toi. Alors, tac. Comment avoir un maximum de thunes? Bah, tu fais des trucs partout, des forges. Donc ça, on va pouvoir upgrade. Ça, c'est quoi? Ça, en vrai, c'est une amélioration qui te permet en gros de débloquer ça, mais du coup, ça sert à rien parce que tu l'as déjà. C'est bugué. Après, ça va, j'ai pas tant d'unités que ça à améliorer, donc ça va aller vite. Celles-là, on peut pas les améliorer plus. Ceux-là, elles sont déjà améliorées. Il y a juste les flèches, les flèches là, que je viens de mettre là. Tac. Va en bas à gauche. Ouais, ouais, avec ça, ouais, t'inquiète. De toute façon, c'est bon là, j'ai fini. Hein. Tout est amélioré. Wolf of Wargon. Allez, ça c'est bon, c'est fait. Et voilà, c'est la fin. Nous avons passé la première mission, on va directement enchaîner avec une deuxième mission. Bon, ouais, c'était chaud au début, j'ai cru que j'allais perdre. Hein. Wolfgard en vrai. Bah, en fait c'est la tankiness du roman, genre. Les cavaliers, mec. Sans les piquer, c'est impossible. Bon, du coup, on va faire vraiment une armée espèce des hommes sauvages du pic d'un, là. Après, je trouve que là, dans ce mode, du coup, les hommes sauvages, enfin, les hommes du pays d'un, du coup, ils sont plus trop sauvages, genre, ils sont vraiment bien équipés et tout, ils sont stylés. Ah bah, directement, Amonhen. C'est parti. On enchaîne. C'est parti. Let's go. Charcou, contrairement à nous, a le droit de mourir en plusieurs fois et de ressusciter. Ah oui, clairement c'est le boss. Comme le saura bientôt toute la région. Ah, Amonhen était un fort. C'est un fort défendu par je ne sais qui. Mais du coup, c'est en ruine. Et du coup, nous avons la communauté pour Omir. Protéger les hobbits. Mais en vrai, cette mission, tu te dis, bah, enfin, c'est facile en fait, parce que t'es une armée de rocailles et t'as juste à les défoncer. Mais vu qu'il y a des elfes partout, encore une fois, hein, parce qu'ils sont quand même forts, hein, il y a des elfes partout dans les régions, c'est ça qui est incroyable. Donc là, il faut tuer les semi-hommes. Oh, on a Charcou! Enfin, on a Oulu, pardon. Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé, on a en gros des scouts. Qui est une unité qu'on peut débloquer directement dans la forteresse, qui permet d'aller très très vite. Et là, on va devoir les buter tout le monde. Donc, on a Ugluk, hein, Ugluk le boss. Ugluk il est fort. En vrai, Ugluk, l'Urs, ils sont. C'est des machines. Ça va aller plutôt vite, moi je vous le dis. Je crois que je vais les mettre au corps à corps. Hein, parce que. Il doit mourir. Hop, ça c'est fait. Tac, on enchaîne. Tac, on les touchote. Donc il y a encore des elfes partout. Hein. A plus, Tekitus, à plus. Et les Sark qui dit que c'est la fin du live. Ça va pas. Il est fou.
Il y a quoi par là? Oh, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Incroyable. Ah oui. Oh, il y a... Oh, il est là. Oh, il est méchant, lui. Ok, donc on a notre premier adversaire. Pas n'importe lequel, hein. Les Goulas. Les Goulas, le bro. Non, mais tu pourras pas fuir, les Goulas. On est trop fort. En plus, je les stun. Ils sont trop nombreux. Allez, ça c'est fait. J'ai tué les Goulas. J'ai tué les Goulas. Voilà le nom. Écorche-le. Il est où Gimli là? Ah, je crois qu'on a vu Gimli, il est là. On va le stun. Voilà, ça c'est fait. Tac. On a gagné deux trolls. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Salut Héro, comment ça va? Ça consomme beaucoup de 4G de regarder un live Twitch? Je crois pas. Enfin, je suis pas sûr. Franchement, je saurais te dire réellement, mais je pense pas. Normalement, c'est plutôt bien opti. Après, ça dépend combien de gigas tu veux pas que ça prenne, quoi. Je sais pas si ça se compte en gigas, mais voilà, quoi. Sans mode, celle-ci, j'ai gagné uniquement qu'au troll, je trouve ultra dur de base, alors pressé de regarder avec le mode. Ah bah, écoute, pour l'instant, ça se passe très très bien. Oh, mais il y a carrément des Rohirrim, quoi. Ah, ils ont fait un peu genre comme dans le film, toi. Ils se sont dit, on va faire un peu comme dans le film. En vrai, c'est original, toi. Du coup, les cavaliers ont défoncé les... Ça, en vrai, la campagne nouvelle, je m'en souvenais pas du tout qu'elle était comme ça. Ça fait tout bizarre. Voilà, c'est sûr qu'ils mordent la poussière. Bon, en même temps, avec les trolls, c'est facile, hein. Ah, il y a les elfes qui m'attaquent à revers. Donc là, il y a Boromir qui est ici. Là, il y a les hobbits, du coup. Bon, si on arrive à tuer quand même le... Ah, mais ils sont partis, d'accord. Ils se sont enfuis. Oh non, les trolls sont morts. Oh, c'est terrible, cette histoire. Ah, mais il y a beaucoup d'elfes. En fait, il y a que des elfes. Cette map, c'est seul tuto. En fait, tu combats juste les elfes. C'est vraiment que ça, quoi. Il y a vraiment que ça, que des elfes. Et bah voilà, on les tue tous, là. Let's go, là. On continue. Là. On sort de peau. On sort de peau. T'as Alzheimer, Elro, c'est ça? C'est pour ça que t'as besoin des dons? Quoi? Comment ça? Bah oui, vas-y. Ah, il voulait juste faire sa petite corne. Tu veux pas aller... Ça en aurait plus de dégâts, du coup. Là, j'ai une unité en avant. Ah, il y a Aragorn et tout. Gimli, Pipin. Enfin, Pipin et Merry. Ah, mais j'ai encore deux trolls qui sont arrivés. D'accord, ok. Bah, let's go, hein, écoutez. Les rougailles pour la vie, hein. Allons poursuivre tout le monde. Oh, mais d'accord, ils attaquent direct. Le plus dangereux, c'est Aragorn, hein. Gandalf, on l'a pas vu, non? Ah, bah, Gandalf est pas là, je suis con. Non, Lure, tu peux pas mourir, hein. C'est mort. Il se fait attaquer par les hobbits. Les hobbits qui sont en train de me poursuivre. Mais ils sont vraiment en train de me buter, en fait. Oh non, Sharko est mort. Oh là là. Ça se passe pas comme ça dans le film. Je savais pas que c'était aussi chaud dans le film. Hein. Ah merde, j'en ai tué un. Quel con, il est mort. Ah, le caillassement, ça fait mal. Hein. J'ai besoin d'aide. Putain, mais il tanque tellement.
C'est bon, il va mourir. C'est la fin, j'ai gagné. Allez, j'ai gagné, c'est bon là. Et voilà, c'est une belle victoire. C'était chaud, hein. C'était très chaud. Hein. Bon, écoutez, on va continuer encore. C'était quand même assez court. C'est la quatrième, le quatrième film. Ok, donc là, c'est bon. On récupère... normalement, on récupère les hobbits ou on les tue, je ne sais pas. En tout cas, on sait qu'il y a Frodon et Sam qui ont survécu, ça, c'est sûr. Une belle victoire. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Bah, tu dis que tu ne te souviens pas de la campagne, mais je me souviens pas. Je me souviens... Poche de sang. Y'a qui d'autre? Rambo. On va mettre bah, ma pone aussi hein. Je veux pas être dedans et être triste de mourir. Qu'est-ce que je mets? Qui veut être dans mon armée? Allez le chat, on se réveille, on écrit on écrit. Oui oui tu peux ressusciter autant de fois que tu veux, JP. Non, je te remets. C'est effectivement toi aussi t'es mort. Allez, go pick encore. Allez, Drago. Drago Nero, là. Tac. Toi aussi, Draken, je crois que t'es mort aussi. Donc on va te remettre. MX8Jet. On va te mettre aussi. Si j'arrive à écrire ton pseudo. Tac. Bah, du coup, Gaëtan, on va te remettre. Hein. Et ça, on va te remettre aussi. Hein. Tu seras dans deux armées, Lisa. Là, on va mettre Bobby. Bobby, évidemment. Ah, mais attends, mais j'en ai 36 000, what the fuck? Tout le monde a survécu? Je pensais pas que tout le monde avait survécu. Sky. Ah, mais ça va être trop long hein, à dire tout le monde, là. Turambar. En vrai, il faudrait tout le monde du chat qui se réveille, quoi. Luffy, allez, Luffy. Donnez des noms, maintenant, hein, parce qu'on n'a pas le temps de... Il y en a un qu'on va appeler Mur. L'autre, on va appeler Michel. L'autre, on va appeler Dragon, je sais pas, Smog, Sauron, Elruir, Jordan, encore. Bon, écoutez, on a eu Amonen. Et du coup, la prochaine fois, on se battra dans le Rohan. Allez, à bientôt. Adieu. Évidemment, au revoir et abonnez-vous.